vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire le bilan de ce que j'ai lu au mois d'août et je vais vous présenter un petit peu ce que je vais lire au mois de septembre. En tout cas, vu que j'ai encore eu de grandes ambitions, je vais vous montrer dans quoi je vais piocher, puisque encore une fois, beaucoup de choses m'intéressent. Pour avoir un meilleur suivi de mes lectures, au mois d'août, j'ai repris un vieux carnet que j'avais acheté exprès pour faire un truc dans le genre Bugeaud, mais alors j'ai tenu un mois, je crois. Je m'étais amusée, c'était pas si mal, et je l'ai très très vite abandonné, mais je me suis dit que pour avoir un suivi de mes lectures, j'allais reprendre ce carnet-ci, puisque bon, il était commencé, autant le terminer. J'ai fait un truc, c'est pas très très esthétique honnêtement, mais voilà, on verra si je m'améliore, sinon tant pis, c'est pas bien grave. Mais ce que je voulais faire figurer, c'était, en tout cas sur un support papier, donc la pile à lire que je m'étais prévu pour un mois donné. Et déjà sur ce premier mois, il y a des choses que je vais affiner, puisque en le reprenant tout à l'heure, je me souvenais plus de mes codes couleurs. Je trouve ça en plus très très moche honnêtement. Donc il va falloir que je change de procédé pour faire figurer ce que j'ai tiré au sort dans la jarre, ce que j'ai lu en e-book et ce que j'ai emprunté à la bibliothèque, parce que d'avoir un code couleur comme ça, je trouve ça moins naturel, je sais pas, ou en tout cas il faut que je change la présentation parce que ça me va pas du tout du tout. Mais par contre je vais garder ce type de présentation-ci avec des cases à côté qui, dès qu'elles sont cochées, signifie que j'ai lu un livre. Donc il y avait ça, et j'ai voulu faire une page aussi des graphiques que j'avais lus sur un mois donné. Donc c'est cette page-ci, je crois que je suis pas tout à fait à jour parce qu'il me semble que j'en ai lu un en plus. Je ne sais plus. Il m'en manquerait peut-être deux, donc j'en aurais lu 16. Je sais que j'en ai lu pas mal. J'étais vraiment très 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 contente d'atteindre ce chiffre-là. Je vous mettrai le chiffre exact sur la vidéo. Voilà, si jamais ça vous intéresse, vous aurez le chiffre exact du nombre de graphiques que j'ai lu. Donc là, je m'attarde pas dessus. Je sais que ça intéresse très très peu de personnes, donc j'en parle en vlog lorsque je les lis, mais je m'attarde pas plus que ça dans les bilans. Pour les romans, du coup, j'avais prévu 20 livres. Je vous donne pas tout de suite le chiffre, le nombre de romans que j'ai lus sur le mois d'août. Mais écoutez, je suis plutôt contente de moi. Et là, je vois direct la reprise. Clairement, les chiffres ne seront pas les mêmes le mois prochain. Mais ceci est une autre histoire. Quoi qu'il en soit, donc, je vais reprendre la pile à lire comme je l'ai noté. Donc, le premier titre de ma liste, c'est Divine Rivalité, le tome 1 de Rebecca Ross. C'est un titre que j'ai lu. C'est d'ailleurs le premier titre du mois d'août que j'avais lu, et c'est un roman que j'ai bien aimé. Enfin, j'ai passé un bon moment sur le coup. Je vous avoue que je suis loin de la hype qu'il y a autour, mais j'ai passé un bon moment. Je serais curieuse de lire la suite, mais pour vous dire, je suis pas certaine par exemple de garder ce collector. Voilà, je ne sais pas encore, je vais y réfléchir, mais pour vous dire voilà que je l'ai aimé, mais ça fera pas partie de mes tops, si vous voulez, de cette année. J'avais également prévu de lire Better Than the Movies de Lynn Painter. Donc ça, c'était un livre emprunté à la bibliothèque, donc à qui a le boulot, puisque j'emprunte plus dans les autres médiathèques de mon réseau. Peut-être qu'un jour je le ferai, mais pour l'instant je me contenterai bien de ce que j'ai sous la main. Donc c'est un livre que j'ai lu également, et pareil, une bonne lecture, et pareil que pour Divine Rivalité, j'en avais entendu grand grand bien, et je suis, on va dire, plus mesurée que ce que j'ai entendu dire, mais ça reste une bonne lecture, une bonne romance ado. Il y avait également Recette cubaine pour guérir un cœur brisé de Laura Taylor Namy. Celui-ci malheureusement fait partie des livres qui ne sont pas lus, mais il se peut qu'il soit lu au mois de septembre. Mais on en reparle un petit peu plus tard dans la vidéo. J'avais également noté Les renards de bois pourri, le tome 1 de Nadia Shirin. Donc c'est un titre jeunesse emprunté à la bibliothèque que j'ai lu, et une chouette surprise, un chouette récit jeunesse avec des personnages barrés. Un premier tome marrant, humour noir, un petit peu émouvant aussi, bref, une jolie découverte, et je lirai le tome 2 avec plaisir. Toujours emprunté à la bibliothèque, il y avait Amitié assassine de Geneva Rose. C'est un titre que je n'ai pas lu, que je garde encore sous la main, à voir, parce qu'il est vrai que même s'il m'intéresse toujours, je vous avoue que j'ai emprunté des petites choses dernièrement en reprenant le boulot. Forcément, j'ai été de nouveau tentée, donc je ne sais pas si j'arriverai à le caser finalement, mais je l'ai gardé pour l'instant, tout comme un Liane Moriarty. Donc j'en avais emprunté deux, j'en ai rendu un au moment où j'ai repris le boulot, et sur le principe, du coup, j'aurais voulu lire 9 parfaits étrangers, donc de Liane Moriarty, puisque celui-ci faisait un petit peu plus estival, et donc je ne l'ai pas lu, mais pareil que pour celui-ci, je le garde encore un petit peu sous la main. Une de mes petites fiertés du mois, dans ma pile à lire de août, il y avait Élantris de Brandon Sanderson,
que j'ai lu, que j'ai bien aimé. Pareil, j'ai passé un chouette moment. C'est pas mon préféré de l'auteur, c'est pas ce titre de l'auteur que je vous conseillerais pour le découvrir, sauf si effectivement vous souhaitez découvrir le monde du Cosmere dans l'ordre dans lequel la lecture est préconisée, même si selon les versions ça change un petit peu. Mais bon, moi je suis très très contente d'avoir remis un pied dans cet univers, de refaire les choses dans l'ordre, et je vais essayer de continuer sur ma lancée et notamment de prévoir Warbreaker, qui est le prochain livre du Cosmere à lire. Et je pense que je le lirai pendant mes prochains congés, soit au mois de novembre, donc on verra bien. Mais je vais essayer de me le caser avant la fin de l'année. Je m'étais prévu la librairie des flots tranquilles, la charmante librairie des flots tranquilles de Jenny Colgan, qui est le tome 2 de la charmante librairie, il me semble. Donc je ne l'ai pas lu, je n'ai pas eu le temps de le lire. Je vous avoue que je ne l'ai pas forcément remis dans ma pile à lire de septembre, puisqu'il y en a que je n'ai pas réussi à lire dans cette pile à lire que j'ai remis le mois suivant. Et bon, j'avoue que c'était quand même un petit peu le moment de lire par rapport, bon, au titre en fait, hein. Ça se trouve ça se déroule pas du tout du tout du tout en été. Je ne sais pas du tout à quelle période celui-ci se déroule, d'ailleurs si vous l'avez lu n'hésitez pas à me le dire pour voir. Après, pour ma pile à lire de septembre, j'ai également une pioche à faire et une petite nouveauté, donc potentiellement, puisqu'il y a des livres que je m'étais prévu et en faisant le point il y a quelques jours, j'ai un petit peu refait cette pile à lire de septembre, mais je les ai quand même laissés de côté, donc potentiellement pour les pioches, si certains peuvent fonctionner avec ce que j'aurais tiré au sort, pourquoi pas les choisir, et je vais peut-être mettre celui-ci dans cette pile en attente. Je pense que je vais faire ça. Dans cette pile à lire, il y avait aussi La vie qu'on m'a choisie de Marie-Hélène Wiesmann, Hélène-Marie Wiesmann. Voilà, c'est un livre que j'ai lu, en tout cas que j'ai essayé de lire. Je suis arrivée à plus de 200 pages et j'ai décidé de l'abandonner. J'ai un trou de mémoire, je ne sais plus dans quelle vidéo je vous ai annoncé ça. Je ne sais plus si c'est dans le prochain vlog ou si c'est dans la vidéo de mon challenge. Je transforme mon temps d'écran en temps de lecture. Je crois que c'est dans cette vidéo aussi, mais je ne suis plus sûre. Quoi qu'il en soit, oui, ça partait plutôt bien, mais assez vite. Enfin, assez vite. J'ai commencé à ressentir une certaine lassitude, oui, assez vite quand même, et puis plus j'avançais, plus je trouvais le temps long, plus moins l'autrice renouvelait mon intérêt, et certes, la fin est pas si déconnante que ça, honnêtement, elle avait pas l'air mauvaise, je l'ai lu en diagonale, hein. Enfin elle avait l'air plutôt intéressante, et, mais j'ai peur que en fait l'essentiel soit concentré sur la fin, donc pour moi j'ai rien loupé si vous voulez. Mais ouais, c'était beaucoup trop long et je me voyais pas continuer encore sur 250 pages. Non. Voilà. Donc c'était juste pas pour moi, tout simplement. J'avais également sélectionné Today, Tonight, Tomorrow de Rachel Lynn Solomon, qui est une romance young adulte qui a un concept un petit peu particulier. Alors attention avec des guillemets, puisque l'histoire se déroule sur une journée. Mais j'ai beaucoup aimé le fait que les personnages... on les suit au travers d'une épreuve, c'est leur dernier jour d'école et la tradition là où ils font leur scolarité, c'est de faire un jeu de piste. Un jeu de piste vraiment très très chouette à suivre, mais c'est vrai que le laps de temps durant lequel se déroule l'histoire m'a pas tellement convenu, puisque j'ai pas tellement cru à l'histoire des personnages. Moi vraiment j'apprécie les histoires qui se déroule un petit peu plus sur la durée. Disons qu'ici c'est pas foncièrement la romance qui m'a plu, mais peut-être les à côté. Et ça reste très auto-centré sur les deux rôles principaux. Les autres personnages sont un petit peu trop discrets à mon goût, malgré peut-être un certain intérêt. Mais et encore, on n'a vraiment pas forcément le temps de les trouver hyper prometteurs non plus. Bref, mais ça reste une chouette lecture. Je voulais relire du Virginie Grimaldi, j'avais sélectionné Il nous restera ça et malheureusement j'ai pas eu le temps de le lire. Il ne fait pas partie des repêchés pour le mois de septembre, même si j'aurais vraiment aimé le lire. Voilà, celui-ci pour l'instant je le remets dans mes bibliothèques et puis on verra à un autre moment. Je voulais également lire The Kiss of Deception de Mary E. Pearson, le tome 1 de The Remnant Chronicles, et malheureusement celui-ci non plus je n'ai pas eu le temps de le lire. Malgré mon envie, voilà, je suis toujours très très intéressée de découvrir cette série-ci, mais ça ne s'est pas fait cette fois malheureusement. Je voulais aussi retourner dans la série Les Mémoires, Mémoires par Lady Trent, donc là c'est le tome 3, Le Voyage du Basilic, de Marie Brennan.
Vraiment, j'aurais beaucoup aimé renouer avec cette série, la poursuivre, sauf que effectivement, j'ai lu un livre qui lui ressemblait peut-être un petit peu sur le principe. On adore être interrompu par les appels spam. Bref, en ayant lu un autre livre qui reposait sur un principe assez similaire, j'ai pas forcément voulu lire deux livres du même genre au même moment. C'est vrai que j'essaye quand même de varier mes lectures, donc lire deux livres du même genre sur un même mois, voilà, j'ai préféré laisser la place à d'autres romans. J'aurais eu le temps peut-être que je l'aurais lu, mais bon, avec 20 livres, même en étant en congé, clairement je savais que j'allais pas tous les lire. Donc bon, tout naturellement, celui-ci a laissé sa place à d'autres. Celui-ci, malheureusement, je ne l'ai toujours pas lu, donc c'est Ses plaisirs violents de Chloé Gong qui est maintenant paru en poche en plus. Bref, je vous avoue que c'est un petit regret et pourtant je ne l'ai pas prévu au mois de septembre non plus. Bon, je ne sais toujours pas quand est-ce que je vais le lire. Sincèrement, est-ce qu'il est vraiment bien? J'attends vos retours si jamais vous l'avez lu. Peut-être que vous allez me convaincre de le caser malgré un mois de septembre qui risque d'être compliqué. Dans le sens où je sais très bien que mon rythme, clairement, va pas être le même qu'au mois d'août. Tout simplement. Mais ça, je l'ai déjà dit, donc vous êtes plus ou moins au courant. Et donc le voilà, le livre qui ressemble un petit peu à Mémoire par Lady Trent. C'est L'Encyclopédie féerique d'Emily Wilde de Heather Fawcett. Et donc je l'ai lu, et petite surprise, c'est que ça a été un joli petit coup de cœur. Vraiment, j'ai trop hâte de lire la suite. D'ailleurs, en passant, effectivement, j'ai pas... Je crois que je l'ai pas dit lors de mon avis. Ou si, mais bon, bref. Clairement, ce titre-ci, même si la couverture fait... automnale. Et sur le principe, il peut se lire en automne. On est sur une ambiance quand même très froide à l'intérieur, donc si vous êtes attaché à ce genre de choses, n'hésitez pas à le prévoir pour un challenge plutôt hivernal. Bon, je l'aurais lu en plein été, écoutez, chacun ses délires, mais ça l'a fait quand même et j'ai vraiment adoré en termes d'ambiance, en termes de personnages. La fin nous amène... Alors c'est pas un truc énorme, hein, mais voilà, j'ai trouvé que ça prenait un chemin peut-être pas si habituel que ça, et bref, voilà, donc j'ai trop hâte de lire la suite. Alors celui-ci, eh bien celui-ci, aïe aïe aïe, La promesse du dragon de Elisabeth Lim, qui est la suite de Six couronnes écarlates, j'y suis allée mais en étant ravie, vraiment, de me replonger dans ce titre, enfin dans la suite, dans cette ambiance un petit peu de légende. Et puis alors ce tome 2, il est pas très bon, honnêtement il est pas très bon. Les personnages ne sont pas intéressants, l'histoire est pas très bien construite. Bref, l'autrice ici m'a complètement perdue et je suis dégoûtée, je vous avoue, puisque j'avais adoré le tome 1. J'avais aussi prévu donc en e-book, puisque j'essaye toujours de me prévoir des e-books, Love Theoretically de Ali Hazelwood, ça je l'ai lu. Donc ce titre, je l'avais emprunté sur notre portail de bibliothèque, donc c'est même pas un de mes e-books, mais bon écoutez, c'est pas grave. C'est le quatrième roman de Ali Hazelwood que je lisais et je commence à ressentir une certaine lassitude, en tout cas dans ses romances adultes, clairement. Je sais pas si l'autrice se fait une feuille de route, en tout cas ses livres se ressemblent beaucoup trop. J'ai pas détesté ma lecture, hein, j'ai bien aimé, et si sur le principe je suis tentée de lire un autre de ses livres, clairement je vais beaucoup plus espacer mes lectures. On m'avait prévenu quand j'avais lu The Love Hypothesis et que je m'étais précipitée pour acheter l'autre livre qui était paru, donc Love on the Brain, on m'avait prévenu, ou je l'avais lu, je ne sais plus, peut-être les deux, que ces titres voilà, se ressemblaient. Je l'avais moins constaté entre The Love Hypothesis et Love on the Brain, mais alors là, clairement, pourtant, mes lectures n'étaient pas si rapprochées que ça, mais peut-être que plus on en lit, plus on s'habitue à un style et plus on voit les choses, mais en tout cas, là, je l'ai clairement vu, et l'idée, c'est pas de... Quand je lis un livre, de me dire, bah tiens, j'ai déjà lu ça dans son précédent roman, ça me plaît pas trop, donc clairement, le prochain Ali Hazelwood que je vais lire, je pense que ce sera pas avant fin de l'année prochaine. À voir. En e-book également emprunté sur le portail de la bibliothèque, j'ai lu The Cheat Sheet de Sarah Adams, qui était plutôt pas mal. Alors j'étais à fond dedans au début, j'ai ressenti une petite lassitude à un moment, puisque je trouvais que on tergiversait trop entre les personnages, que ça tardait à se débloquer leur relation. Mais bon, ça reste une romance avec laquelle j'ai passé un bon moment.
Donc voilà, je suis quand même contente de l'avoir lu. Comme à chaque fois, j'essaye de me prévoir un titre d'urban fantasy que je n'arrive toujours pas à lire. Donc celui-ci n'est pas lu, c'est Tori Dawson, le tome 6 de Annette Marie. Là, j'ai très très envie d'urban fantasy, mais à chaque fois, je sais pas, je me prévois autre chose. Donc bon, vous allez voir qu'en septembre, j'en ai sélectionné quelques-unes et j'espère en lire au moins une cette fois. Donc on verra bien. Et dans cette liste, il y avait également La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Clune, sachant que le Tori Dawson et lui, c'était des choix faits en fonction de papier tiré dans ma book jar. Donc celui-ci je l'ai lu par contre, et alors, j'ai pas encore donné mon avis en vidéo, normalement vous aurez mon avis dans le vlog de jeudi, si j'arrive à monter la vidéo à temps, puisque là déjà pour celle d'aujourd'hui il y aura du retard, mais j'ai pas pu faire autrement on va dire, et ça va être une semaine chargée pour moi, donc je ne sais pas, mais bon. Donc pour ce titre-ci vous aurez mon avis dans la vidéo de jeudi ou peut-être vendredi, je vais peut-être décaler à vendredi puisque j'aurai un peu plus de temps en fin de semaine, mais bref. Donc, ce titre-ci, j'ai passé un bon moment, mais je ne comprends pas la hype autour. Vraiment pas, vraiment pas, vraiment pas. J'ai aimé. Par contre, je ne sais pas si je lirai le tome 2. Alors après, est-ce que c'est vraiment un tome 2? Pour avoir parcouru le résumé, alors je ne l'ai pas lu dans le détail, je sais qu'on change de personnage principal, on suit un personnage rencontré dans ce premier tome-ci, mais j'ai pas fait attention si on le suivait vraiment après les événements de ce tome là ou si c'était juste l'histoire de ce personnage donc avant ce tome ci, ça j'ai pas fait attention, mais je vous avoue que je sais pas si je suis intéressée de suivre un autre point de vue, non pas que celui qu'on a ici était extraordinaire, bon je l'ai bien aimé hein, le personnage qu'on suivait, mais bref voilà, je vois, même si apparemment l'auteur a écrit une suite parce qu'il ressentait le besoin de l'écrire, honnêtement ce titre se suffit à lui même, bref. Par contre il y a quelque chose qui m'a turlupiné tout au long de ma lecture, c'est un titre que j'avais vu avec l'étiquette Young Adult. Il y a même des gens qui parlent de jeunesse, alors souvent certaines personnes emploient le mot jeunesse pour des livres qui sont même pour les ados, alors sincèrement c'est des publics différents. La jeunesse et les ados, clairement il y a un gap entre les livres jeunesse et les livres ados. Voilà, je vous le dis, mais alors là je suis désolée hein, mais c'est pas un titre Young Adult, hein. C'est pas un titre ado. Hein. Aucun ado n'est intéressé de suivre une histoire où il y a des enfants, mais le point de vue principal c'est un quarantenaire. Aucun ado vous dira qu'il est intéressé par un titre avec un personnage quarantenaire. Pour peu qu'il cherche un titre ado, je veux dire, s'il va piocher dans les livres adultes, voilà, il sait à peu près à quoi il va s'attendre. Mais normalement, les livres pour les ados sont assez marketés et écrits avec des personnages qui ont l'âge des adolescents. Normalement c'est comme ça, bref, donc clairement ici je comprends pas comment il s'est retrouvé avec l'étiquette Young Adult, vraiment pas, et même si c'était le cas je suis pas d'accord avec cette étiquette, vraiment pas, pour moi c'est un livre adulte tout simplement, voilà, donc bref j'ai bien aimé ma lecture mais je suis loin de la hype, voilà, mais j'ai passé un bon moment quand même. Donc je suis arrivée au bout de mes 20 livres, j'ai l'impression d'en avoir parlé pendant 3 heures alors que je devais faire vite, mais bon c'est pas grave. Donc sur ces 20 titres j'en ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11. Donc plus de la moitié, ce qui est très très bien. Sauf que il y a un livre que j'ai lu qui n'était pas dans cette liste. C'est Mon mari de Maud Ventura, qui est un livre que j'ai écouté en audio. Donc là j'en ai parlé au cours d'un vlog. Donc ça me fait 12 romans lus au mois d'août. Ce qui est moins que ce que j'espérais faire, mais en même temps, vu tous les graphiques que j'ai lus aussi à côté... et puis j'ai lu quelques pavasses, hein, et Elantris c'est pas lu en 5 minutes, et puis j'ai énormément bloqué sur la promesse du dragon. Oui c'est ça, la promesse du dragon, j'ai beaucoup beaucoup bloqué dessus. Bref, il y a des livres sur lesquels j'ai un peu traîné, même la vie qu'on m'a choisie, même si j'ai eu tendance à beaucoup beaucoup m'écouter au mois d'août, je lisais plein de livres en même temps, enfin plein. 3 des fois 4, ce qui est quand même beaucoup, hein. Généralement c'est 2 pas plus avec moi. Mais c'est un rythme qui m'a convenu, qui m'a plu, parce que à des moments je voulais pas bloquer sur un titre et perdre du temps dessus. Donc en fait quand je vous dis que j'ai bloqué sur certains titres, c'est juste que certains m'ont peut-être pris un peu plus de temps, parce que quand t'es pas non plus à fond dedans, le rythme de lecture est un peu moins rapide. Donc bon voilà, très certainement que certains titres je les ai lus moins vite que mon rythme habituel, mais bon bref, 12 livres c'est quand même vraiment très très bien. Je suis désolée pour les changements de luminosité, mais clairement je vais pas me priver de soleil. Les anciens de la chaîne savent, en tout cas ceux qui sont là depuis au moins un an.
Mais bon, voilà, il y aura des petits changements de lumière tout au long de la vidéo, j'imagine. D'autant plus que là, il est milieu d'après-midi et bah voilà, là, ça n'arrête pas. Et c'est là où moi, j'ai le plus de soleil de ce côté-là. D'ailleurs, ça fait du bien puisque aujourd'hui, il faisait pas si chaud que ça. Et là, on sent qu'avec le soleil qui rentre dans la pièce, voilà, ça fait du bien. Bref, sur ce, je vais aller chercher les livres qui font partie de ma pile à lire du mois de septembre. Et je n'ai pas oublié ma book jar, puisque je ferai un tirage du coup à la fin de la vidéo, et le deuxième tirage sera fait en fonction de ce qu'il y a dans cette petite pochette. Pour le mois de septembre, il va y avoir plusieurs redites, donc des livres que vous avez déjà vus les mois précédents, mais que je veux toujours lire, donc bah, il y en a, je perds pas espoir de les lire dans ces prochaines semaines slash mois. Mais pour commencer cette pile à lire de septembre, je vous montre les livres empruntés à la bibliothèque, et ce serait mieux que je vous sorte aussi ma lecture en cours. Sachant qu'on est déjà le 9 septembre, je filme cette vidéo le jour où vous allez la voir, et j'ai toujours pas terminé un seul livre puisque bon, j'avais des restes du mois d'août, j'ai été un petit peu trop gourmande, donc voilà, certains titres m'ont un petit peu duré. Mais j'ai bon espoir de terminer ma lecture en cours dans pas trop trop longtemps non plus. Donc je suis en train de lire Un soupçon de sorcellerie, qui est la suite d'Une pincée de magie. J'approche de la moitié, ça se lit bien. Alors pour l'instant je suis pas à fond dedans, j'aime bien ce que je lis. Mais voilà, je suis pas à fond dedans tout simplement, donc peut-être que je rechigne un petit peu à le reprendre. Mais c'est vrai que finalement je l'ai à peine repris aujourd'hui. Le TJ Clown, je l'ai terminé seulement hier, donc c'est plutôt lui que j'ai privilégié. Donc c'est vrai que celui-ci, je le lisais un petit peu par à-coup, ce qui était peut-être pas la meilleure façon de le faire. J'ai peut-être eu du mal à cause de ce rythme de lecture à vraiment prendre part au récit. Donc voilà, il faudrait vraiment que je m'accorde une bonne session de lecture pour que les choses se tassent. Mais bon, je comprends ce que je lis, c'est pas le problème. Mais peut-être que c'est aussi pour ça que je suis un petit peu moins à fond dedans par rapport au premier tome. J'aimerais lire au mois de septembre The Kiss Quotient de Helen Hong. Donc normalement c'est un tome 1, bon la suite n'est jamais sortie, donc bon, je pense que c'est des tomes compagnons. Donc lire seulement ce titre-ci, ça devrait aller. C'est un livre qui est réservé par un autre usager, donc clairement si je veux le lire c'est maintenant ou jamais. Et potentiellement de toute façon il est prévu dans vraiment pas très très longtemps. Donc c'est un titre, je vous avoue que je viens de relire le résumé, je ne m'en souvenais plus. Et alors je sais qu'il m'avait intéressé à un moment mais je ne savais plus pourquoi du coup. Et j'avoue que ça m'a un petit peu re-rendue curieuse. Notre héroïne est une jeune femme brillante, elle excelle dans sa vie professionnelle, sauf que dans sa vie personnelle par contre c'est un échec complet. Apparemment elle est atteinte d'une certaine forme d'autisme qui la tient éloignée des autres, et du coup dans sa vie personnelle forcément sa vie amoureuse c'est le calme plat. Sauf qu'elle est un petit peu poussée par sa mère d'avoir un petit ami notamment, et donc malgré elle, elle va faire appel à un escort boy pour l'aider à apprendre les bases d'une relation amoureuse. Et le jeune homme qu'elle va engager ne comprend pas tellement pourquoi cette jeune femme, il l'a juste selon son apparence, elle est belle, voilà, elle a l'air intelligente et tout. Pourquoi cette femme, elle a besoin de quelqu'un comme lui? Et il va découvrir petit à petit que Stella, notre héroïne, eh bien, a quelques difficultés. Je parle pas forcément de son autisme, mais bref, tous les deux vont essayer de surmonter un petit peu certaines choses. Ça a l'air pas mal, mais c'est vrai, jusqu'à présent, j'ai vachement hésité parce que les avis sont pas non plus excellents. Mais sur le principe, je reste quand même très très tentée, donc autant faire mon avis. Celui-ci, vraiment, il faut trop que je le lise, il me tente vraiment trop trop trop, en plus il est pas trop long, c'est Le Passeur de Livres de Kersten N. Donc j'étais tombée dessus puisque j'ai découvert le nouveau titre de l'auteur, avec une jolie couverture et un principe vraiment sympa. Et en fait, en regardant si on avait déjà cet auteur au boulot, bah, je suis tombée sur ce livre-ci, qui a l'air vraiment bien, donc un titre intergénérationnel, c'est vraiment un... Pas mon péché mignon, mais pourtant je partais pas gagnante sur ce genre de titre, mais j'avoue que les relations comme ça entre des personnes jeunes et moins jeunes, il y a quelque chose quand même qui se dégage de ce type de livre, et là on voit vraiment une petite fille avec un monsieur, un vieux monsieur, donc voilà, et puis les livres dans l'histoire, je demande à voir. Celui-ci, il faudrait que je le lise parce que bon, vu le titre, donc c'est Un été au café des Cornouailles de Philippa Ashley, c'est un premier tome, ça devrait se lire vite, donc un petit fil-out comme ça dans les derniers jours d'été, ça devrait être pas mal. Celui-ci, j'ai failli l'oublier, vraiment, moi je m'étais prévu d'autres choses et puis je retombe dessus, je fais « Ah oui, faudrait que je le lise quand même, surtout bon, c'est une nouveauté ». Donc c'est La Reine Traîtresse de Daniel L. Jensen, c'est Le Pont des Tempêtes, le tome 2. Tiens, et pourquoi? Je découvre à l'instant que la maison d'édition n'a pas du tout mis que c'était le tome 2 sur la couverture. Bon, c'est à l'intérieur, donc ça passe.
Mais je viens de voir à l'instant qu'il n'y avait pas le titre sur la couverture. Bref, je pense que c'est une série qu'on ne présente plus, donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais au moins lire ce deuxième tome me permettrait de terminer un diptyque, même si la série continue, mais sur le principe, j'aurais clôturé l'histoire d'un couple, et ça, on aime. Mais ce qu'on aime encore plus, c'est terminer des séries. C'est pour ça que j'ai emprunté au boulot, donc Les Maîtres en Lumineur, le tome 3, Les Terres Closes de Robert Jackson Bennett. Enfin, c'est la troisième fois que je l'emprunte. Voilà, pour vous dire la vérité. Donc il serait peut-être temps qu'enfin je le lise. Même si j'essaye de terminer des séries tout au long de l'année, c'est vrai que la fin de l'année approchant, eh bien, il y a mon alerte interne qui se déclenche forcément un petit peu plus. Je sais que je ne pourrai pas faire de miracle, mais clairement, je garde ça en tête. Donc je me dis que, voilà, par petites touches, tous les mois, je peux avancer et ou terminer des séries, donc on va essayer de s'y atteler. Mais mine de rien, je vais pas dans la facilité, parce que bon, je... quasiment 700 pages, hein, le bébé, là. Voilà. Donc c'était le dernier titre emprunté à la bibliothèque, mais j'en ai encore plusieurs qui m'attendent sur le côté là-bas, vers mon bureau, et j'ai une réservation qui est arrivée au boulot. C'est le dernier Anne-Laure Bondou, Nous traverserons des orages, qui me tente aussi beaucoup, beaucoup. Celui-ci, je sais pas trop si vraiment je l'ajoute à cette pile à lire. Mais bon, je trouve que déjà j'en ai beaucoup trop et clairement, à moins de lire que ça, je suis pas certaine d'arriver à tous les lire. Ensuite, je passe aux titres numériques et encore une fois, ce sont des titres exclusivement empruntés sur le portail de mes bibliothèques. Donc, on a À l'horizon l'amour, c'est le tome 1 de Puffin Island de Sarah Morgan. Celui-ci, je suis en train de le lire. Et à part le fait que les chapitres sont trop longs, et vraiment j'ai été traumatisée d'ailleurs par le TG Clown, ça je l'ai pas dit plus tôt, mais les chapitres sont beaucoup trop longs, vraiment. Donc voilà, j'ai commencé celui-ci, ça m'a l'air plutôt pas mal, j'aime bien le pitch de départ, la situation sur laquelle s'ouvre le roman, donc à voir. Mais clairement, moi quand je veux lire un tout petit peu le soir, arriver au bout d'un chapitre c'est compliqué. Et pour les deux autres titres numériques, donc j'ai emprunté le tome 2 de Aurora Squad de Amy Kaufman et Jay Christophe, c'était tous les deux qui étaient dessus. Oui, c'est ça. Alors je vous le cite, mais en fait j'avais pas vu que ce titre-ci et l'autre s'arrêtaient au 8 octobre, donc potentiellement j'aurais pu les mettre le mois d'après, mais je crois que je vais les laisser au mois de septembre, bref. Donc ça fait un moment que j'ai commencé cette série, donc il serait temps de la continuer. J'avais aimé le premier tome, mais sans être non plus éblouie. Mais je suis plutôt curieuse de découvrir la suite. Bon, après si j'aime pas la suite, je lirai pas le dernier tome. Bref. Et le dernier titre numérique que j'ai emprunté, c'est Betty de Tiffany McDaniel. Depuis le temps que j'en entends parler, je me dis pourquoi pas. Par contre, encore une fois, bah, c'est une pavasse. Ouais. Donc vraiment, je sais pas où j'avais la tête. Je pense que ce mois d'août m'est monté à la tête, justement, et que j'ai maintenant des envies de grandeur. Ça m'a redonné envie de lire. Mais bien sûr, ce n'est pas possible puisque je n'ai absolument pas le même temps que, clairement, le soir, je suis assez vite crevée. Bref, donc bon, je pense que fin septembre, je vais devoir redescendre de mon nuage, clairement. Là, je suis encore dans l'optique de lire, lire, lire. Mais, enfin, je vous dis ça alors que déjà la semaine dernière, j'ai bien vu, hein. J'ai bien vu la différence. Avant de passer aux lectures papier qui m'appartiennent, j'ai oublié de vous montrer un livre de la bibliothèque qui est aussi un livre que vous avez déjà vu, donc c'est Recettes cubaines pour guérir un cœur brisé de Laura Taylor Naimi. Donc voilà, celui-ci, j'aimerais vraiment le caser en ce mois de septembre. Et donc pour mes propres livres, donc les livres qui sont des redites, il y a notamment, eh bien, Mémoire par Lady Trent, le tome 3, Le Voyage du Basilic. Depuis que j'ai lu l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, le fait de vous en parler et d'y avoir repensé aussi ces derniers jours, c'est vrai que j'ai envie de retrouver ce genre d'ambiance. Voilà, cette cosy fantasy avec des créatures surnaturelles. Ici, c'est des dragons en plus, enfin, ça fait partie de mes créatures préférées. Même si je sais que c'est pas forcément le genre de livre qui se lit le plus vite du monde. Vraiment, à chaque fois, tu sens que le rythme lent te fait davantage ressentir ta lecture. Tu vois que t'avances pas très vite, on va dire. Après, ça se trouve que ce tome-ci va changer la donne et ça se trouve, je vais le bouffer. Mais bon, j'ai envie de retrouver un univers un petit peu cosy et puis le principe de l'histoire, voilà, ça m'a tellement plu dans Emily Wilde, pourtant là j'ai lu les deux premiers tomes, mais peut-être que il y a eu moins d'attrait avec cette série qu'avec Emily Wilde, même si j'ai aimé hein, les deux premiers tomes, mais c'est vrai que j'ai plus tendance à me souvenir de l'aspect un petit peu lent de la lecture, voilà, peut-être que ça aussi ça m'a freinée, mais il y a un genre d'ambiance que j'ai envie de retrouver.
Et enfin, j'espère que je retrouverai ce genre d'ambiance là-dedans. Donc c'est pour ça que je le remets ce mois-ci. Et puis mine de rien, j'ai aussi envie d'avancer dans cette série. J'ai aussi remis, et d'ailleurs j'hésitais à remettre Tori Dawson, donc le tome 7, puisque bah, j'ai envie d'urban fantasy. Et comme tous les mois, je m'en suis prévu une au mois de septembre également. Mais donc, bon, celle-ci, j'hésite à la remettre. Je me dis, je vais voir, je vais attendre mes pioches parce qu'il y en a une autre. Je sais que je pourrais pas lire les trois. Sur le principe, oui, je pourrais parce que ça se lit vite, mais non, je vais pas lire les trois. À voir au niveau des pioches ce que ça peut donner. Donc celle-ci, je l'écarte, je la mets dans ma pile de secours. On verra si pour les pioches, ça collera. Mais par contre, je veux vraiment trop lire Dina Demi, le tome 4. Vraiment. Vraiment, vraiment. Je veux enchaîner avec la suite, donc qui n'est pas sortie, mais j'ai une nouvelle. Il y a le tome 5 qui sort là en fin d'année. Mais là, ce tome, je veux vraiment, vraiment le lire. Mais mon urban fantasy du mois, puisque j'ai rattrapé mon retard au niveau des chroniques, en tout cas pour cette série-ci. Donc là, voilà, je me suis casée le tome 12 de Mercy Thompson. Donc c'est L'empreinte de la fumée de Patricia Briggs. Voilà, le tome 11, du coup, je l'ai lu fin d'année dernière ou début de cette année, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, là, c'est mon urban fantasy sélectionné ce mois-ci. Et ça, c'est un repêchage et j'ai envie de lire autant l'un que l'autre. Là, c'est vraiment mes best de chez best. Ensuite, je me suis prévu le tome 3 de Phobos de Victor Dixon. Là aussi, c'est une série, il serait temps que je la termine. Je tarde énormément à lire ce tome 3 parce qu'à l'époque de sa parution, beaucoup de lecteurs avait dit qu'il y avait un fort côté politique, ou en tout cas qu'on suivait moins les personnages sur Mars. Donc j'avoue que ça m'avait un petit peu chagrinée, mais bon, au bout d'un moment, il va falloir que j'y aille. Bon, encore une fois, c'est pas un petit livre, il fait quasiment 600 pages. Clairement, il va y avoir des pertes ce mois-ci, clairement. Ensuite, on arrive aux trois derniers, j'en ai vraiment pas sélectionné beaucoup, honnêtement. Bah d'ailleurs, il y en a un, c'est une redite, hein. Vraiment, je ne lâche pas l'affaire, je veux le lire. Je veux le lire, j'y arrive pas, mais je veux quand même le lire. Donc, Plan de carrière de Ellen One, parce que je veux toujours regarder la série. Bref, donc bon, voilà, j'en reparle pas non plus, je vous l'ai assez présenté. Par contre, les deux derniers, ce sont des livres que j'ai montrés sûrement dans des book hauls, mais que j'ai peut-être pas remontrés depuis. Peut-être que celui-ci, j'en ai déjà parlé, donc c'est Petit miracle au bureau des objets trouvés de Salvatore Basile. Voilà, en plus il a une très jolie couverture. J'ai l'impression que le personnage qu'on suit, donc, fait partie du service des objets trouvés, ou quelque chose d'équivalent. Ça a l'air d'être quelqu'un d'assez solitaire, qui vit pour son travail, qui n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'amis du coup, ni beaucoup de contacts avec les gens. Et en fait, un jour, il va trouver un journal intime, rouge, relié, qui va changer sa vie. Voilà, donc je ne sais pas quelle découverte il va faire, mais est-ce que ça va l'amener à s'ouvrir aux gens ? Je ne sais pas, c'est une simple déduction, ça se trouve, je me plante totalement. J'avais vu un avis dessus qui m'avait beaucoup tenté, et voilà, je l'avais acheté, jamais lu, et puis bon bah, un jour, bah, pareil, il serait temps, il me tente toujours autant. Et le dernier titre que j'ai sélectionné, donc pareil, c'est un titre un petit peu estival. Là, je me dis, c'est maintenant ou sinon c'est l'été prochain. Donc ce serait dommage, c'est déjà un livre qui attend, je crois, depuis l'été dernier. Donc pourquoi pas lire Alerte à Malibu de Jason June. Donc c'est une romance MM entre deux ados. Il me semble que c'est de l'ado. Et donc on le voit sur la couverture, mais l'un des deux personnages est une sirène. Voilà, ce qui avait forcément capté mon attention. J'ai jamais lu de livre de Jason June, c'est pas le premier que De Saxus traduit. Donc, mais bon, c'est celui qui m'avait le plus intéressé pour l'aspect sirène, forcément. Du coup, maintenant, on va piocher. Alors, j'aimerais bien piocher un papier que j'ai jamais pioché parce que j'ai l'impression de tirer au sort à chaque fois la même chose. Donc, j'aimerais bien quelque chose d'un peu différent. De toute façon, en fin d'année, je reprendrai tous mes papiers et je rajouterai peut-être des indications, j'en enlèverai peut-être. Bref, je remettrai les choses à plat. Alors, j'ai l'impression qu'il y en a deux là. Oui. Oui, oui, oui. Hop, j'en ai choisi un. Oh, ah, intéressant. Donc, c'est lire une sortie de 2023. C'est vrai que j'ai dû mettre un papier lire une sortie de l'année en cours. Et pour avancer également dans ce que j'avais acheté l'année d'avant, j'avais mis ça. Voilà, bah sûrement que l'année prochaine, ce sera lire une sortie de l'année en cours. Et sur un autre papier, lire une sortie de 2024. Voilà, alors là, ça va me demander un petit temps de recherche. Alors, je pensais que j'allais galérer, mais en fait, je suis allée voir ma petite pile de secours. Alors, ça y est, je suis bien embêtée. Parce que dans cette pile de secours, en fait, j'avais deux livres. Je me suis dit, bon, sur les deux, je vais faire voter les gens. Mais il y a Ces plaisirs violents aussi, qui était sorti en 2023.
Bon, c'est pas grave. En fait, je vais faire voter les gens, tout simplement. Et puis je lirai le livre qui ressortira. Enfin, si j'ai le temps de faire voter les gens. Si j'ai le temps, ça se passera sur mon Instagram. Mais sur le principe, donc, il y aura en vote Ses plaisirs violents, Tori Dawson, le tome 6, puisqu'il est sorti en 2023. Et il y aura également Chaos and Flame de Justina Ireland et Tessa Gratton. Je l'avais sélectionné, mais en fait, en y réfléchissant, bah, ça m'aurait fait encore un nouveau tome 1. Est-ce que c'était vraiment hyper prioritaire? Je ne pense pas. Mais c'est vrai que vu que le tome 2 va sortir là bientôt, je m'étais dit que bon, potentiellement, j'aurais été à jour dans une série. Mais bon, le fait que ce soit un premier tome couplé au fait que bah, je suis en no-buy, je pense pas que ce soit la sortie la plus incroyable du monde. Donc je pense que ça peut attendre l'année prochaine. Mais bon, je vais quand même mettre les trois en vote. Alors je vous dis ça tout en ne sachant pas, comme je l'ai dit, si l'occasion se présentera. Parce que là, peut-être que je vais être confrontée à un manque de temps. Mais après, si j'ai l'envie de lire un de ces trois livres, et ben je ferai un vote. Voilà. Et donc comme je l'ai dit, ce sera sur Instagram. Et pour la deuxième pioche, du coup on change un petit peu de principe. Ça fait plusieurs semaines slash plusieurs mois que j'y pense, mais j'ai jamais sauté le pas. Mais du coup il y a quelques jours, il y avait une promotion sur un pack avec quelques cartes, et quelques cartes de base je crois, et des extensions. Donc je me suis lancée, j'ai craqué pour le jeu de la pile à lire, qui a été faite en collaboration entre Hélène Illustration et Élise. J'espère que je ne me trompe pas de prénom, de A Book and a Cup. Et c'est vrai que sur l'idée, j'aime beaucoup. Après, toutes les cartes ne m'intéressent pas forcément, toutes les extensions non plus, mais j'avoue que ma curiosité me perd souvent. Et j'avais quand même envie de tenter. Là, j'étais allée voir un petit peu les cartes proposées. Potentiellement, voilà, ça peut être sympa. Donc écoutez, je vais mélanger tout ça, je vais piocher une carte et je vais choisir un livre en fonction de la carte que j'ai piochée. Voilà, je me dis que ça peut compléter ma book jar qui est sur un principe un petit peu différent quand même. Disons que dans ma book jar, j'ai des indications plus génériques. Le jeu de la pilière, il y en a également, mais il y a des indications peut-être plus fines. Voilà, j'ai dû mettre lire un titre d'Urban Fantasy. Dans ma book jar, je suis jamais tombée, je crois, sur un... Ah, peut-être que si. Bref. Et là, on va avoir une carte sorcière, une carte dragon, une carte vampire. Je crois, je suis pas sûre qu'elles existent toutes, mais je crois qu'on a quand même des créatures différentes. Je sais que là, il y a une carte sorcière, par exemple. Donc bon. Par contre, effectivement, si une carte ne m'inspire pas, je refais une pioche, parce que je sais pas si j'ai des livres qui correspondent à tout. Bref, donc j'ai mélangé, je pense que c'est très très mal mélangé. Je vous aurais bien dit de dire stop, mais je pense que ça n'a pas fonctionné. Alors, et j'ai pioché... Non, c'est une blague. C'est très drôle. Je crois que c'est sorcière, c'est ça? C'est ça. Sorcière ou être pratiquant la magie. C'est très très drôle. Je vais aller voir ce que j'ai dans ma pile à lire, même si sur le principe, Tori Dawson, ça fonctionnerait. Mais bon, on va dire que c'est pris pour autre chose, mais je vais aller voir ce que j'ai du coup. Je me dirigeais vers ma bibliothèque et en fait je me suis dit, bon, j'allais pas prendre trop de risques, je vais choisir un titre assez court. Alors bon, c'est pas un titre de ma pile à lire physique, mais bon, ça reste un livre qui m'appartient, mais alors je vous l'ai déjà présenté, donc c'est une redite. Et de tête, je ne sais plus à quel tome j'en suis, mais je vous mettrai la couverture donc sur la vidéo, mais je vais lire un tome de Bureau fédéral de la magie. Voilà, je sais plus si j'en suis au 6 ou au 7, je ne sais plus, mais ça se lit vraiment très très vite et on suit quand même, enfin l'héroïne est une créature surnaturelle, c'est une furie et elle a des capacités magiques. Voilà, qu'elle aime pas utiliser, mais on est sur un être surnaturel, donc voilà. Bon, je pense que je triche un peu en fait parce que c'est sorcière et être pratiquant la magie. Elle a des capacités surnaturelles, est-ce qu'elle pratique vraiment la magie? Alors, il y a des personnages dans la série qui pratique la magie, donc je vais dire que ça fonctionne quand même, voilà, et ça ira très très bien. Bref, j'ai pas fait le compte, je sais pas combien de livres j'ai sélectionné, je vais refaire les comptes. Ça me ferait 18 livres si j'ai bien compté, sachant que les trois titres proposés pour le vote, en fait je compte pour un, mais je crois que ça fait 18, ce qui est énorme quand même. Habituellement sur un rythme de boulot j'arrive à en lire 4-5, ouais. J'avoue que j'aimerais bien en lire, j'aimerais bien arriver à 8 romans, ce serait vraiment pas mal. On verra bien le bilan pour le mois prochain. Et au niveau de ma pile à lire, c'est vrai que c'est un bilan que je ne fais jamais, mais là bon, au mois d'août, ayant lu plusieurs livres de ma pile à lire, c'est déjà un peu plus probant que les mois d'avant. Donc j'étais partie avec 419
livres et j'en ai lu 7 de ma propre pile à lire, donc je suis descendue à 412 romans. Ce qui est plutôt pas mal. Le plus important pour moi, ça va être le dernier bilan de l'année, puisque j'aimerais passer en dessous des 400 romans. C'est encore possible, voilà, vraiment, si j'en achète pas des livres, ou même si je les achète, que je les lise. Mais il va falloir à un moment, je pense que peut-être en décembre, que j'emprunte vraiment 0 livre de la bibliothèque. Mais bon, je pense que je vais y arriver. Après, sur le principe, si l'année d'après j'arrête mon no-buy, ce serait de faire attention à pas dépasser 400, parce que si je passe en dessous, c'est pas pour repasser à 400 romans et plus la semaine suivante, vous voyez. Donc bon, potentiellement, les achats, ça va pas être pour demain, mais bon, on aura l'occasion d'en reparler, quoi qu'il en soit. Voilà, un petit peu, j'ai fait le point pour tout. J'ai encore un sacré programme qui m'attend, plein de bonnes choses, donc on verra bien ce que ça donnera d'ici la fin du mois. Merci en tout cas d'avoir regardé cette nouvelle vidéo, je vous souhaite une belle semaine et de belles lectures, et je vous dis à la prochaine. Salut !